Au sommaire de cette édition, la Solécie annonce une interruption d'eau potable dans les quartiers de Mbadon, Mputo, Riviera 2, Riviera 3 et Riviera 4 le mercredi 6 novembre. Un colloque scientifique d'envergure se tient à Abidjan autour de l'économie sociale et solidaire pour le développement des pays africains. Des détails dans cette édition. À Wangolodougou, des femmes bénéficient des kits de commercialisation composés de tricycles, de moulins multifonctions et de broyeuses. Nous y reviendrons. Bon à savoir. Le réseau d'eau potable va connaître un arrêt le mercredi 6 novembre 2024 de 8h à 21h30. Les secteurs concernés sont Mbadan, Mputo, Riviera 2, Riviera 3 et Riviera 4. Cette suspension intervient dans le cadre de la réalisation des trois échangeurs sur le boulevard François-Mitterrand. Euh, le client lambda pourra constater, à partir de 8h30, une coupure d'eau chez lui, à la maison. Alors, cela sera dû au fait, effectivement, qu'on aura commencé les travaux. C'est le cas de figure. Lorsqu'on fait une coupure qui est programmée comme celle-là, avec l'envergure dont on vient de parler, il est toujours prévu, effectivement, un ravitaillement en mode dégradé. On aura cinq camions citernes. Hein, qui seront confiés à décision régionale, mais la distribution se fera en fonction des demandes. Voilà, On sait très bien que les zones sont concernées, et ces zones-là, c'est toute la rivière 3, rivière 4 et autres. Mais je dirais que pour certains, ils auront des réserves. Donc pour ceux qui n'en ont pas, effectivement, ils pourront appeler les 175, pour que ces camions-là se dirigent directement dans la zone. La Sodeci a effectué une visite terrain auprès des sociétés chargées de la réalisation des trois échangeurs objectifs Mettre tout en place pour la bonne marche de l'opération visant les conduites d'eau potable. Le projet consiste à déplacer les conduites d'eau potable dans l'emprise des travaux des trois échangeurs de Cocoti. À ce stade, nous avons déplacé toutes les conduites sur environ 2,6 km. Aujourd'hui, la question de raccorder ces conduites-là pour que l'emprise des, des échangeurs soit totalement libre. Et nous avons fait appel à l'assaut des signes concessionnaires ou bien propriétaires du réseau pour viennent réaliser les travaux d'étiquage. Et ces travaux sont programmés pour le mercredi. La Solicie, acteur des projets de mobilité, s'engage auprès de l'État pour pallier aux besoins en eau des Ivoiriens. Économie sociale et solidaire et développement des pays africains. État des lieux, défis et perspectives. C'est autour de ce thème que se tient du 4 au 5 novembre un colloque scientifique d'envergure initié par l'Africa Perspective Institute pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Cet événement favorise l'émergence d'un secteur économique basé sur la solidarité et la résilience. À travers cette thématique, chercheurs et décideurs devront agir véritablement et durablement en vue d'améliorer le quotidien de nos populations car comme le disait Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie en 2001 et je cite, l'économie sociale et solidaire constitue un formidable terreau d'emplois pérennes et non délocalisables. Comme jamais auparavant, nous avons aujourd'hui les ressources et les connaissances pour faire émerger une économie du partage. Ne pas le faire serait inexcusable. La cérémonie d'ouverture a rassemblé des acteurs clés de l'économie, des représentants d'organisations internationales, ainsi que des chercheurs venus d'horizons divers pour partager leurs analyses et envisager des solutions concrètes face aux défis africains. Je ne trahirai pas de secret si je vous dis qu'avec le président de la Confédération générale des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie et toutes les associations des PME ainsi que des ONG depuis quelque temps nous sommes en laboratoire un laboratoire pointu, tous sortiront certainement des résultats qui seront profitables au plus grand nombre. Les travaux se poursuivent avec plusieurs sessions dédiées aux perspectives de développement de l'économie sociale et solidaire. Ce colloque scientifique promet ainsi d'ouvrir de nouvelles voies pour le développement économique de la Côte d'Ivoire et du continent africain dans son ensemble. Le milieu du travail n'est pas épargné par la consommation de drogue. En Côte d'Ivoire, la problématique est soulevée au cours d'un enseignement post-universitaire donné par la Société ivoirienne de médecine du travail, le Programme national de lutte contre le tabagisme et Nexon Care, entreprise ivoirienne. Leader des tests de dépistage de la drogue et alcoolémie en Afrique. Au total, 250 acteurs de l'hygiène, sécurité, environnement et médecins des grandes entreprises y ont été conviés dans le but de les accompagner face à ce problème de santé lié à la drogue et à l'alcoolisme. Lorsqu'on a un travailleur qui est sous l'emprise, qui est suspecté d'être sous l'emprise de ces substances psychoactives, il faut disposer d'un arsenal juridique pour dépister. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas cet arsenal-là. Et dans la recommandation nous avons insisté. Pour qu'on puisse légiférer sur la question et mettre en place cet arsenal-là qui va aider l'employeur et le médecin de travail que nous sommes à pouvoir faire le dépistage. Occasion saisie par Nixon Care pour présenter ce produit jugé innovant, capable de favoriser à la fois un meilleur diagnostic et une prise en charge des usagers. L'objectif est de doter les entreprises d'un système de contrôle robuste, performant et de prise en charge efficace par le biais du ministère de la santé. Nous avons de meilleurs tests des tests de drogues urinaires, des tests de drogue salivaires, des alcotests, mais des tests de drogues salivaires et alcotests à la fois ou encore des tests de drogues urinaires et alcotests à la fois. On a des tests qui vont jusqu'à 16 paramètres, on a des tests qui vont jusqu'à 20 paramètres. Tout ça pour le bien-être de tous ceux qui sont malades aujourd'hui à à la drogue. Selon le dernier rapport sur la drogue dans le monde, publié en 2019 par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 35 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles liés à l'usage des drogues, alors que seulement une personne sur sept reçoit un traitement. Des kits de commercialisation offerts à l'Association des femmes demandeuses d'asile résidant sur le site de Niro Nigé dans le département de Wangolodougou. Le don est composé de tricycles, de moulets multifonctions, d'une broyeuse et tables pour une valeur totale de 100 millions de francs IFA financés par le Japon. À l'initiative, l'organisation ONU Femmes. C'est une bouffée d'oxygène pour toutes ces femmes. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude envers ONU Femmes. Soulignant que ces dons leur offriront de nouvelles opportunités d'autonomie financière.